je vais jouer le rôle d'un adjoint gérant. Okay. Bon, je m'appelle Abdou Sagna. Je m'appelle Mariam Sissé. Je suis la femme du ménage. Je m'appelle Moussa Diédjou. Je suis le touriste. Merci. Moi, je me présente Aliou Badiane. Moi, je suis le guide dans le campement de Koubalan. Je me présente, c'est Seydou Badiane. Je joue le rôle du marchand ambulant. Merci. Je suis Salimata Badiane. Je suis la touriste qui vient visiter le village de Koubalan. Merci. La bonne époque. L'environnement, au niveau du campement touristique de Koubalan. Moi, c'est Mohamed Lamine Temba. Le gardien de campement. Je m'appelle Jacques Lamine Badia. Je joue le rôle du chef du village, Marcel Badia. Il est lui. Moi, je m'appelle Hortense Badia, deuxième cuisinière du campement de Koubalan. Et tu joues le rôle? Oh, bien. Je suis là pour vous et vous êtes là. Da ko me wayi ko ngalam dira de ko de kakar de kampama bidjar ko dum ko lere jo kam ko ko sola ko lere jo le bidjar kampama tama dum me won do wa e do ko ngalam dira de kakar de pour ko dum ko jo jar ko problème to bolu ko mo me le ko sa de mombe ni mombe e de e ala da no re e la we te mite mombe kep isa ko la do bolu la mo re e mombe do me wallahi mure mombe. J'entends vos bruits là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, là, vous avez fait partie de la région. Ah, mais on remercie le bon Dieu. Peut-être qu'on aura des étrangers. Mais Sanya, vous n'avez pas vu ici Sanya à côté? Non, Sanya n'est pas là. Donc, je passe à côté voir un ami, mais je ne passerai. D'accord. Ok, merci. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Je viens de recevoir un message là. Venant de la part de Papaya, il m'a dit que demain on aura des étrangers. Ah bon? Oui. Mais bien sûr. Ah bon? Oui. Ok. Où est Sibo? Demain. C'est vite, hein? D'accord. J'ai besoin de vous, hein? Ça va bien. Prenez place. Bon, je suis venu auprès de vous pour qu'on puisse faire un bilan là pour vous. Aïe. Alors, Mariam. Oui. Alors, tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok, tu as nettoyé tous les cours, toute la cour. J'ai nettoyé tous les femmes. Je vais voir. D'accord. J'ai changé des draps aussi. J'ai mis des papiers toiles. Ok, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, merci. Ça va? Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ça va? Ok, merci. Bien. Comment vas-tu? Oui. Merci. Vous êtes le gérant? Oui. Ok. Ça va? Ça va, oui. Comment vas-tu? Ça va. C'est Sanya? Oui, c'est Sanya, oui. Je pense que c'est ce que nous avons dit. Ok, merci. Ça va? Comment vas-tu? Comment ça va? C'est Jean-Luc. Jean-Luc, toi? Ça va? Ça va, oui, ça va. Vous êtes quoi? On est des Français, mais je suis Français, mais elle est belge. Mais c'est ma femme. Moi, c'est le champ. Mais, M. Sagnon, oui. Comment vous faites les paniers complets? Bon, la pension complète est 12 mètres, 12 mètres. Ok, merci. On voulait faire 3 jours, mais on a vendu 2 jours. Allô? Bonjour. Salam alaikum.
Bonjour. Ça va toi? Ça va bien, merci. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va? Ça va, ça va. Okay. Ouais, comment? Ça va? Tout va bien. Nice. Là, ok. Oui, oui. Bonjour, oui. C'est vrai. Ça va? Ça va bien. Bon, c'est le but du campement. Ah, enchanté. Ça va, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va? Ça va bien. Ok, merci. Ça va? Ça va? Vous venez d'arriver comme ça? Oui, oui, vous venez d'arriver. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup à vous. Ça va? Ça va? Et la chaleur, ça va? Oui, oui, on le fait. Ça va? Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Jean-Luc. Jean-Luc. Oui. Et vous, madame? Marie. Enchanté, Marie. Moi, c'est Ali. Oui, le nom, c'est Adja Fungès. Adja Fungès? Mais, Sanya, oui. Qu'est-ce que c'est Adja Fungès? Adja Fungès, c'est quelqu'un qui va chercher du travail. Ah, ok. Voilà. Dans quel dialecte? Ah, c'est la dialecte de là. Ah, ok, merci beaucoup. Marie? Adja Fungès. C'est la moitié. C'est du bâtiment. Merci beaucoup. Ah ok, un cahier. Un cahier. Ok, merci beaucoup. Mais quand même, comment dire encore? Comment on dit? Comment enchanté de connaître. Mais qu'est-ce que tu nous proposes pour la visite de demain? Pour la visite de demain, dans le village, si vous voulez, on peut visiter le village. Oui. Et si vous voulez aussi, on peut visiter la forêt. Oui. Et si vous voulez, on peut visiter les rizières. Ah, mais tu sais, nous, les élèves de Sénalco, il faut demander la femme. Ok, moi aussi, parfaitement, j'accepte son offre. D'accord. On préfère la forêt. D'accord. Elle vient à 10h. À 10h. Okay. Ah, d'accord, okay. D'accord. Il faut respecter le rendez-vous. Hein. D'accord, okay. D'accord, ça, il n'y a pas de problème. Allez, bon rebond. Hein. Ok, merci beaucoup. On a tout à l'heure. Hein. Adjab. On a du tap. On a du pain de sang. Ça, c'est un fruit qui se trouve dans la forêt. Hein. Ah, là, c'est bon. Bissab? Bissab, oui. Est-ce qu'il y a du Bissab? Bon, il y a du Bissab. Ok, 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 on attend tout le Bissab. Mais est-ce que tu as vu quand même? Plus frappé. C'est à l'entrée du village. Il y a des enfants vraiment. Tout le monde est parent. Mais et là, ça me fait le voir votre petit. Tout le monde, soi-disant, vous êtes des parents. Est-ce que tu peux m'expliquer? Non, ici c'est comme ça, on est beaucoup parentés. Hein. Ah, merci. Voilà. Ok, merci. Sanya, on peut voilà, aller voilà, vous opposer. Voilà, allez vous opposer. Ok, voilà. Merci. En attendant, merci. Le guide vient. Ok. Alors, du coup, bon, hein? Ça va bien. Yo, ouais. Ouais, ouais. Bonjour. Sanya, ça va? Oui, ça va. Oui, déjà là, hein, il faut que ce soit, donc on est prêt pour la visite. Ça va? Merci, ça va? Bien dormi. Adja Fungès. Wow. Ok, merci. Tu me rappelles du nom? Ça va? Ok, merci. Ça c'est l'arbre qui est le plus grand, c'est l'arbre le plus grand dans la région. Mais est-ce qu'on peut prendre une photo? Non, ça c'est un fromager sacré. Tu vois, dans les bois sacrés, on ne peut pas prendre des photos. Ah, le bois sacré, on ne prend jamais de photos. Le bois sacré, tu regardes pour le plaisir des yeux seulement. Ouais, mais par contre, il y a d'autres arbres que tu peux prendre des photos. Là, il n'y a pas de problème. D'accord. Nous, les Européens, nous voulons découvrir tout quand même. Oui, le fromager, il est sacré parce que tout le fromager, toutes les fromagers sacrés, ouais. C'est des arbres que les villageois, ils prennent leur esprit, ils mettent ça dans le fromager. Ça va, Malik? Ouais, c'est le fromager qui est sacré. Ça va, oui, ça va. Les femmes avec les foulards, c'est les femmes qui sont dans la forêt, ils sont prêts à faire une cérémonie de l'initiation dans la région. Ouais. Est-ce que nous aussi on peut avoir ces bénédictions? Est-ce qu'on peut se laver aussi là-bas? Oui, ouais, dans cette boîte, tu peux aller te laver. C'est mais réellement, c'est pour quoi faire quand même? C'est de l'eau qui nous donne une bénédiction, c'est de l'eau pour de bonheur. On peut en faire quelque chose quand même. Donc, mais on donne combien quand même? Bon, dans le bois sacré, si tu veux aller, bon, en général, on ne donne pas d'argent. Mais tu peux chercher de la cola, tu peux chercher des biscuits, tu vois, et un peu le vin de palme qui sert ça à les mamans. C'est les mamans qui vont te bénir. Oh, mais, Adja Fungès, oui. Mais regarde ces enfants-là avec les huîtres. Oui, mais oui. Regardez ces petits poissons-là.
Ils sont vraiment, ils sont en train de gâter le... Mais il faut les dire la non. La mangrove, ils sont en train de gâter le marigot. Ils parlent, mais personne ne t'écoute. Là, il faut que vraiment le chef de village, il vienne parler avec tous ces consultants du village pour qu'ils puissent régler ce problème. Ouais, ouais. Mais comme il fait un peu tard, on peut rentrer. Ah, ouais, ouais, on peut aller. Merci. On peut arriver. Oui, oui, ça s'est bien passé. Okay. Ça va? Alors, ça va? Ouais, ouais. Ça va? La balade? Oui, oui, ça va. Ça va? Oui, ça va, oui, ça va. Comment? Oui, extraordinaire, c'est bon. Oui, c'est bon dans l'ensemble. Oui, on a vu, on a été au fromager sacré. On a vu même les femmes avec des foulards qui faisaient des rites. Et vraiment, on a vraiment, c'est un guide, il est serré, hein. Il nous a tout montré quand même. Non, il est comme ça. Mais il y a, dynamique, il y a un endroit où vraiment ça nous a fait mal parce qu'on a pu demander pourquoi le sacré. Il nous a répondu quand même, c'est sacré. Et là, on ne peut pas vous dire autre chose. Pour te faire valoir, il y a deux choses qui nous font mal. La pêche, on a vu des enfants avec des petits poissons. Et des enfants aussi avec des huîtres, ils ont coupé toute la mangrove. Vraiment, c'est pas bon pour l'engrenage. Dès demain, bon, le village va se réunir. Oui. On va parler sur ça. Parce que dès le chef du village a passé. Je vais m'informer que demain, on aura une réunion pour ça. Ah, là, c'est... Donc, on va parler de tous les problèmes du village. Essayer de régler ce problème. Vraiment, merci, jeune homme. Vraiment, tiens. Allez, les amis, allez, merci. Merci, hein. merci. Mais attendez. Je vous donne quelque chose quand même, vous avez tout fait quand même. Ok, merci. Okay, merci, hein. En guise de récompense. Hein. Merci beaucoup. Mais, monsieur le général, vraiment, je suis frappé au cœur. Vraiment, je suis très content. Malgré cela, nous serons quand même votre ambassadeur. Et pour vous dire aussi, il y a les enfants, les tout petits que je vois ici, qui n'ont pas été initiés quand même à l'école, encore une école, des tout petits. Et vraiment, c'est notre souhait quand même avec nos partenaires, qu'il y ait des relations quand même pour le village. Vraiment, c'est notre souhait quand même. Merci, on va faire les bagages et on va rentrer. Merci beaucoup. Hein. Merci. Apollo, ça va? Apollo, vous allez bien? Comment vas-tu? Ça va? En forme? Oui, en forme. Ah, ça c'est Didi, ma sœur. Comment vas-tu? Ça va. Ma belle, comment vas-tu? Ça va. Mais ma sœur, elle est là, on danse? Ça va, je ne la vois pas, on danse. Comment vas-tu? Ça va, en forme? Ok, merci. Non, vous savez que là on est étranger, on est associé. Voilà, on est au Kounia. Ils sont toujours là tous. Mané et tout comme ça. Et voilà mon cousin. Et Mathieu est souqué. Et il a fait que je m'en suis dit que je suis souqué. Je suis tout le temps. Et tu as raison au plus de la raison. Voilà. Mais écoutez, oui. Il a parlé de pêche artisanale. Chef a parlé concernant le campement. Chef a parlé la façon dont nous accueillons. Chef a parlé que vraiment, on a des étrangers qu'on a hébergés qui font du n'importe comment avec les mangroves. Il faut qu'on en parle. Chef, je ne serai pas long. Tu as parfaitement raison. Ok. Chef. Non. Vous ne pouvez pas venir d'un fois. Vous m'en voulez. Tamba. Par exemple, les bagues. Quand vous voulez mon amisam. Je n'ai pas eu là. Parce que moi, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu la ko la sou mus comblé man ay dañi sa bakkar ba bitap yi pay dërmé yi dem ba ke pré na dajja ñaara ko ñi sa ba bitap ñi kébon ku ko ñi do ñi kébon am mañ mo ak la faaw nam mañ mo am sa pré dërm dé soram
Ça, je ne vais pas m'en prêter là-dessus. Hein. Je ne vais pas m'en prêter là-dessus. Moi, je refuse. Avec mon Sen, bon... Ah, comme ça, tu as parfaitement raison. Tu as raison. Tu as raison. Thank you.